Bonjour les rebelles, bienvenue. Que Dieu bénisse votre journée et qu'il permette que ce mois de mars soit le meilleur mois de l'année pour vous, en fait pour nous tous. Cette vidéo est aussi ma première vidéo du jour. Pour me soutenir, laissez beaucoup de j'aime. Maintenant, écoutez. Frères et sœurs, vraiment, ce qui se passe en Ukraine est en train de soulever beaucoup de problèmes. Nous, on se pose la question, mais quel est le problème au juste? Pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a décidé d'attaquer? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de combattre? Et pourquoi est-ce que le président ukrainien crie à l'aide à d'autres personnes comme les États-Unis, comme la France, à venir les aider physiquement et non par la parole? Et pourquoi ces gens-là n'agissent pas aussi? En tout cas, il y a une chose qui se cache derrière qu'on ignore apparemment. Et c'est cette chose-là que cette femme que vous voyez juste là-bas va nous révéler ici. Elle a attiré mon attention. Et moi aussi, j'aimerais attirer votre attention sur cette affaire. Nous allons l'écouter maintenant. Vous voyez ça? Elle dit non au nouvel ordre mondial. Non au nouvel ordre mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle se dit que la réalité qui divise Vladimir Poutine et les autres chefs d'État, c'est le fait que Vladimir Poutine ait refusé de se soumettre au nouvel ordre mondial. Il y a d'autres choses encore. Sérieux? Bon, ok, écoutons-la. J'ai des choses à dire encore, vous savez. Il se passe des choses très difficiles, en sachant que Poutine est là pour détruire cet ordre mondial, ne veut pas rentrer dedans. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là, non, vous ne savez pas. Vous êtes dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher plus loin, en fait. Pourquoi Poutine réagit de cette manière? Vous savez même pas de ce qui se passe. Ils étaient en train de préparer des labos pour encore lancer un Covid avec du poison pour essayer de vous tuer. Ils étaient en train de manipuler tous les pays de l'OTAN à rentrer dans cet ordre mondial. Déjà, ils sont dedans. C'est pour ça que l'autre côté, ils ne sont pas dans l'ordre mondial. Donc ça fait des conflits. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est détruire la moitié de la population. Et d'enlever, il y a trop de monde sur la Terre. Je vous l'explique. Est-ce que vous allez comprendre? Je sais, vous allez dire, mais c'est pas possible et tout. Mais ce ne sont pas des humains. Mes frères et sœurs, elle a tenté de nous révéler quelque chose de vraiment inquiétant. Elle dit que nous sommes en face avec des gens qui ne sont pas des humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont juste l'apparence d'être humains, mais ils sont possédés. Ils ont les démons qui sont là. Et elle nous révèle la raison profonde, la vraie raison. Que les gens ne veulent pas vous révéler. En fait, c'est le nouvel ordre mondial. Les gens veulent établir le nouvel ordre mondial. Sérieux? Est-ce que c'est de la blague ce qu'elle dit? Bon, je vous laisse écouter encore. J'ai des choses à dire encore, vous savez. Il se passe des choses très difficiles, en sachant que Poutine est là pour détruire cet ordre mondial, ne veut pas rentrer dedans. Vous savez ce qui se passe en Ukraine. Vous savez pourquoi toutes ces choses-là, non, vous ne savez pas. Vous êtes dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Vous n'allez pas chercher plus loin, en fait. Pourquoi Poutine réagit de cette manière? Vous savez même pas de ce qui se passe. Quand elle dit ça, c'est pour vous réveiller. En fait, c'est pour réveiller votre esprit. Genre pour dire que tout ce qui se passe physiquement, comme les guerres, ce que vous voyez à la télévision ces temps-ci, ça là, ce n'est que le côté visible, le côté physique. Mais spirituellement parlant, il y a une autre guerre qui a lieu là-bas. Et c'est de cette guerre-là, elle veut vous parler. Ils étaient en train de préparer des labos pour encore lancer un Covid avec du poison pour essayer de vous tuer. Ils étaient en train de manipuler tous les pays de l'OTAN à rentrer dans cet ordre mondial. Déjà, ils sont dedans. C'est pour ça que l'autre côté, ils ne sont pas dans l'ordre mondial. Donc ça fait des conflits. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi?
c'est détruire la moitié de la population. Et qui est le destructeur? C'est le diable. Ah, donc certaines personnes refusent d'entrer dans le clan du diable. C'est pourquoi la guerre a commencé. Parce qu'ils veulent tous s'entendre afin de pouvoir nous détruire, nous les humains, nous les êtres humains. C'est pourquoi, depuis que la guerre a commencé en Ukraine et tout ça, le président ukrainien appelle à l'aide, ils ne répondent pas. Parce qu'ils attendent que ce conflit-là engendre beaucoup plus de morts. Voici en réalité ce que les gens espèrent. Ils ont créé afin de virus. C'était pourquoi? C'était pour faire, pour mettre en position les stratégies de destruction des êtres humains. En fait, ce sont les êtres humains, c'est nous. Qu'est-ce qui se passe? Ils créent des conflits entre eux. Maintenant, quand ils tirent, ils lancent des bombes, ça tombe sur la maison des gens, ça tue les gens. Parce que c'est ce qu'ils recherchent en fait. Tuer les gens. Donc, c'est nous, les honnêtes citoyens, qui sommes menacés par cette affaire. Il s'agit de nous. Détruire. Le diable veut nous détruire en utilisant tous ces gens avec des puissantes armes nucléaires. Et d'enlever, il y a trop de monde sur la Terre. Parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. Je vous l'explique. Est-ce que vous allez comprendre? Je sais, vous allez dire, mais c'est pas possible et tout. Mais ce ne sont pas des humains. Elle dit que ce ne sont pas des humains. En fait, quand elle dit que ce ne sont pas des humains, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont d'humains que l'apparence. Sinon, ils sont déjà des démons. Ce sont les démons qui sont là. Est-ce que vous connaissez les loups-garous? Est-ce que vous avez vu les zombies? Les vampires? C'est que la forme qui vous montre que ce sont des êtres humains. Mais ils ne sont plus là dans la tête. Il n'y a plus rien dans la tête. Je me suis arrêté un moment. J'ai dit, mais attends. Attendez, il y a eu cette affaire de virus. Le virus, un virus qui est sorti de nulle part. On nous a expliqué que ça a été créé par l'homme. Mais pourquoi? Ils ont parlé de virus jusqu'à si le virus n'est pas terminé. Ils ont créé d'autres problèmes là-bas. Les gens sont sortis manifester dans la rue. Et c'était où? C'était aux États-Unis. Un policier avait tiré sur un noir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attendez, vous dites qu'il y a le virus, il y a tout ça, mais regardez ce que vous faites. Et les gens sortent, ils n'ont pas de masque sur leur bouche et leur nez et tout ça. Où est passé le virus alors? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, cette affaire de virus là, il y a le plan du diable derrière. Et regardez ce qui se passe en Russie, en fait en Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine. Quel temps les gens là-bas ont pour pouvoir mettre des masques sur les nez? Ça n'existe plus. Les gens cherchent à se sauver la peau. La chose la plus dingue, c'est que le président ukrainien appelle les gens de l'Europe à son secours. Mais eux, ils ne répondent pas. Ils ne disent rien. Il ne faut que bavarder et parler. Vous voyez ça? C'est comme si lui avait... C'est comme si... Ils sont fait un complot juste pour pouvoir présenter Vladimir Poutine comme étant le diable, quoi. Pour pouvoir, c'est-à-dire présenter aux yeux du monde comme si c'était le diable qui était là. En tout cas, cette affaire devient très, très bizarre. C'est un problème qui devient de plus en plus d'ordre spirituel. Nous devons vraiment beaucoup prier. Hein? Nous devons vraiment beaucoup prier pour savoir... Qu'est-ce qui se passe? Quel est le plan caché derrière? En ce moment, les personnes qui souffrent le plus, ce sont les innocents. J'ai vu un militaire qui faisait une vidéo. C'est un militaire ukrainien. Dans cette vidéo, il disait vraiment à sa famille, il leur disait au revoir. C'était sa dernière vidéo. Après, il a reçu une bombe. Et il est parti. Où est-ce que ça a été de faire? Les civils sont tués. Il y a un maire d'une ville ukrainienne qui est sorti pour dire qu'il y a juste 4 personnes qui sont sorties aller chercher de l'eau dehors. Et que s'est-il passé? Ces gens ont été abattus. Ce qui se passe là, ça devient sérieux.
Une affaire où on ne peut plus rien contrôler et on appelle même les civils à venir défendre le pays. C'est que c'est quoi? C'est que c'est ça. Le truc, c'est que c'est ça. Les personnes que ces gens-là cherchent, c'est vous, les civils. C'est vous, les honnêtes citoyens. C'est vous que ces gens-là recherchent. Et oui, c'est notre peau qu'ils recherchent. Ils recherchent notre peau, le savez-vous? C'est notre peau que ces gens-là recherchent. On ne parle pas de réduire la population mondiale. Est-ce que tout ça, c'est de la blague? C'est gravé sur une grosse pierre aux États-Unis là-bas. C'est pas de la blague. On nous dit le nouvel ordre mondial. Ça existe depuis très longtemps, cette affaire. Ça existe depuis très très longtemps, des centaines d'années. Regardez. Et ils avaient gravé cela sur le pied de 1 dollar américain. Mais personne ne l'a vu. Comme rien n'est caché, voici aujourd'hui c'est sorti. En tout cas, moi aussi, ce que j'avais envie de partager avec vous, dites-moi ce que vous en pensez, parce que cette affaire devient de plus en plus grave et beaucoup de révélations sortent. Je pense que nous devons prier et que le plan du diable derrière ne puisse pas s'accomplir.